down to. Do you want this? Like it wants you. Know that booty gon' do what it want to. Can't hit it one time, hook it up. I know you see this red on me. Now come and get I 20, 40, 80, I can trap. Hit it with the rap, put it on the map. Hit me right back. Call me when you wanna get caught. 20 minutes turn up with the rest. I be P on my bag, double G's on my dash. Nigga, I'm bad. I'm bad. When you wanna get caught, you can't get no higher than this. No, cause love don't get no higher than this. No, no. This might be your home. Avant que la vidéo commence, cette vidéo est sponsorisée par Filmora. Filmora est un logiciel de montage facile à utiliser pour les débutants. Vous avez tout premièrement juste à télécharger vos clips. Vous pouvez, grâce à cet outil, faire plusieurs montages vidéo. Là, vous pouvez voir que pour couper vos rushs, vous avez juste à cliquer ici. Et franchement, c'est super rapide. Vous avez également à votre disposition plusieurs filtres. Moi, j'utilise les filtres souvent pour gérer la saturation et les couleurs de la vidéo. Vous avez plein d'animations que vous pouvez rajouter entre vos clips pour que vos clips soient plus fluides. Vous pouvez également gérer l'opacité de vos vidéos si vous voulez que ce soit plus net ou plus flou. Concernant les polices et l'écriture, vous avez plein de polices et ça c'est vraiment top. La police aussi, ça permet aussi de créer votre image et votre style de montage. Vous avez aussi plein de templates. Donc ces templates, c'est bien pour tout simplement juste remplacer avec l'outil. Donc vous avez même des templates pour les vlogs, ça c'est trop cool. Filmora propose ici plein de musiques libres de droits d'auteur, donc ça c'est top, vous connaissez YouTube, c'est compliqué avec les musiques, et vous avez juste à glisser la musique sur votre montage. Avec Filmora 13, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer par exemple vos musiques. Donc là j'ai choisi une musique joyeuse pour des vlogs, et voici ce qu'il m'a donné. Vous pouvez également créer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Franchement, Filmora, c'est une application de montage vidéo complète. Salut les filles, salut les garçons, salut les entre deux. Hey, premier vlog de 2024. Dinguerie, hein. Je vais pas trop forcer sur ma voix parce que je suis malade. Enfin, je commence à tomber malade là. Je suis pas bien cadrée. Vous êtes bien rentrés par la grâce de Dieu dans cette nouvelle année, hein. Franchement, je sais que plein de bonnes choses. Que le bon Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Voilà. On va faire des longs discours. Peut-être que je vais faire une vidéo, je pense, oui. Un petit récap de mon année, genre. Etc. Une petite FAQ de la nouvelle année. Mais ouais. Nouveau vlog, nouvelle année. Cette semaine, je vais pas faire grand chose. Là, dites-vous, je prends le vlog. On est jeudi. On est jeudi. Donc, c'est un peu tard. Mais bon, on va essayer de faire des choses pour que ce vlog soit un peu intéressant. En tout cas, pendant tout le mois de janvier, il va se passer plein de choses. Je reprends l'école. Je reprends l'école le 25, s'il vous plaît. Je reprends l'école. Je sais même pas quoi dire sur ça. Sur le fait que je reprends l'école. Mais voilà, on veut le master. On veut être cadre, même si je sais même pas que va me servir ce master. That's okay. Faut secure the bag, on ne sait jamais dans la vie. Donc je reprends l'école le 25. Et ensuite je dois préparer aussi mon... Ça. Ok, d'accord. Ensuite je dois aussi préparer mon voyage pour la Cannes. Je vais à Abidjan, les gars. Je vais à Abidjan. Là, je vais aller me faire un microblading. Quoi de mieux que
Ah, on commence l'année, on commence avec des nouvelles choses. Donc je vais me faire un microblading chez Gustavo, c'est un brésilien. Bon les gars, j'ai vraiment une tête de fou. Mes cheveux, j'ai essayé de faire un petit truc. J'avais la flemme de les lisser, franchement je vois pas l'intérêt de les lisser là, je sors pas. Enfin, tu captes. Oh my god, je me suis pas couvert le cou. Voici le résultat final, franchement c'est super joli. Concernant la douleur, franchement la première couche, je vais pas vous mentir, elle fait mal. On tourne entre 6 et 7 sur 10. Mais après, dès que vous mettez la crème anesthésie, vous ne sentez vraiment plus rien. J'aime trop le résultat, il a dead. En tout cas, toutes ces informations seront encore une fois en barre d'informations. Voilà. Salut tout le monde! On se retrouve dans une nouvelle journée. Franchement, ça change un peu. Ça change pas un peu. On se retrouve un peu frais. Un peu frais. Vous avez trop l'habitude de me voir comme la personne que je suis, vraiment. C'est une dingue de dire ça. Mais ouais, parce qu'en mode, je sais pas, je suis tout le temps comme une clochard parce que non. Mais genre, moi, être apprêtée comme ça tous les jours, c'est une de mes résolutions. Celles et ceux qui ont vu ma vidéo résolution, c'est une de mes résolutions. Arrêtez de tout entraîner comme une clocharde. Alors, même si je suis à la maison et que je fais rien. Moi, toujours un peu apprêtée, quoi. Un peu, genre, un minimum, quand même, ça fait du bien. Donc, du coup, là, je vous montre un peu le background, ok. Je viens de terminer de filmer ma vidéo chit-chat. Je mets ça ici parce qu'en fait, bah, sinon, si je filme là-bas, à contre-jour, j'aime pas le décor de mon lit. Donc je préfère filmer comme ça. Bientôt là je vais recevoir des petits nouveaux trucs de chez Temu. Je vais bien refaire encore ma décoration, j'ai hâte. Donc là faut que je débarrasse tout. Et je vais mettre le setup de où je filme mes réels. Je vous fais montrer un peu le background, ok, de la création de contenu dans une minuscule chambre, hein, le temps que j'ai mon appartement. Franchement, enfin, je sais pas si j'aurai mon appartement d'ici là. Je suis fraîche là. Mais vas-y. On m'avait pas dit. Là, ça ressort bien, là. Ok. Bref, c'est le bordel. Hein. Voici l'état d'une chambre quand tu finis de faire du contenu. Donc là, ça, c'est mon petit pot où je mets mon maquillage de tous les jours. Donc, je vais mettre ça ici. Terra, elle est partie à la classe de neige, les gars. Ça veut dire que pendant 2 semaines, c'est calme. Elle va quand même manquer, je pense. Elle va quand même me manquer, je pense. Mais là, on a besoin de calme. Là, la maison, on a vraiment besoin de calme. On a vraiment besoin de peace, de respirer. Ouais, de calme en fait. No matter what you say or what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. Fuck these other niggas, I'll be right by your side till 2005. Okay. Wait a minute, all good, just a week ago. At my house, we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thriller's gone, got no patience, cause I'm not a doctor. Go, why is you lying? Girl, why you Mufasa? Yeah, me casa su casa, gotta strip it like Gaza. Got so high on volcanoes, now the flow is so lava. Yeah, we spit that saliva, iPhone got message from Viber. Either the head is so hydra, or we live like I be. Bon, là. Vous allez dire pourquoi j'ai mis ça au-dessus, parce que on voit un peu mon lit. Et là, déjà, je dois changer les draps parce que je déteste ces draps. Mon oncle avait perquisé ma chambre pendant je sais pas combien de temps, parce que oui, ma chambre c'est la guest room. Donc du coup, pendant je ne sais combien de temps là, j'ai pas ma chambre. C'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo. Donc je mets ça parce que je vais changer mes draps après, mais parce que là j'ai la flemme. Je mets ça pour que ce soit bien uniforme, ok.
Là, je vais essayer de mettre le plan là. Mettre la caméra ici. Pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai l'impression que je suis trop proche. Je sais pas si vous, si vous avez capté ce que je veux dire. Franchement, c'est pas facile d'être créatrice de contenu et d'avoir une. Ça, que sa chambre comme. L'endroit où tu peux créer. Parce que quand ta chambre est petite, tu dois toujours bouger les trucs. Moi, ça me fatigue, hein. Moi, j'ai pas le temps, en fait. Mais bon. Quand t'as pas le choix, tu vas dire quoi? Tu fermes ta bouche et tu fais, en fait. La vérité. Top, toi, Sia. S'il te plaît, je vous donne des tips de créatrice de contenu. Voilà. La lumière. C'est pas nos LED. C'est Marine qui me les avait conseillés, c'est la vie. Il vient de chez Amazon, je mettrai le lien en bas d'information si je n'oublie pas. Mais c'est LED, ça fait vraiment lumière du jour. Tu captes? Je viens de filmer deux réels outfits. Là, je suis en train de perdre tous mes doux. Ouais, donc j'ai filmé deux réels outfits. Ça va, je suis contente. Faut voir au montage. Là, je vais me remettre en pyjama. Puis, il fait froid. Je suis en mode pyjama. Faut que je fasse. Enfin, que je lave mes cheveux, comme je vous ai dit. Et que je filme comment je lave mes cheveux. Je vais faire un petit réel sur un petit TikTok. Je vais voir. Moi, je suis fatiguée. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Mon tissage, ça fait presque un mois que je l'ai dans 3 jours. Ça fait un mois. 3-4 jours, ça fait un mois. Comme j'ai tenu, hein. J'ai tenu. Mais bon, bref. On se retrouve tout à l'heure ou demain. Salut tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on continue ce vlog. Là, on est jeudi. Je prends ce vlog très très tard, mais la journée, j'ai fait que dormir. Je me suis reposée à fond. Là, il est actuellement 18h10. On va aller à l'événement Poulier Brisé avec mes soeurs. Ah oui, je sais pas si vous entendez la maison, comme elle est calme. Tera n'est pas là et mes parents sont partis Zerma. En vacation. Alors, ils sont en vacation en Turquie pendant le temps qu'il faut. Mais là, du coup, c'est super calme. On est que à 3 à la maison. Kétia, faut commencer à vous préparer, hein. Mais elle dort. T'es folle ou quoi? Lève-toi, hein. 19h45, on part. Bref. Donc du coup, on va aller à l'événement Poulet Brisé tous ensemble, entre sister. Là, j'ai une tête de folle, je vais aller me préparer. Tu peux te réveiller? T'as dormi toute la journée. C'est fou. Mais putain, je suis réveillée. Et ouais, donc du coup, je vais aller me préparer. J'ai reçu des petits articles de chez TMU. Je vais filmer ça demain parce que là je vais vraiment redécorer ma chambre. Ma chambre, il manque quelques petits trucs. Donc j'ai reçu franchement pas mal de petites choses et tout. Vous allez voir ça dans la vidéo de mercredi prochain. Mais ouais, j'ai hâte de voir tout ça. De voir tout ça avec vous. Donc là, je vais aller prendre ma douche et puis on se retrouve au make-up. Ok, on fait ça. Franchement, ma peau. Je vous dis, les produits, les peaux, on dirait que vous les faites. J'ai vraiment une routine, je sais absolument pas comment je vais m'habiller, mais je vais m'habiller simple. Hein. Je mets vraiment tout le temps avant de me maquiller. Oh. C'est produit. Les peaux d'art. Les peaux d'art, les peaux d'art. Je suis contente là avec ma commande Temu. J'ai commandé de nouveaux lumières pour mon miroir LED là. Donc ça va être parfait. Parce que là en fait je peux même pas me maquiller dans mon bureau parce qu'en fait c'est sombre. Et sans la lumière, bah. Non, franchement, vive les micro chez Zoom, on est d'accord. On est d'accord, là j'ai rien à faire. Cheat with.
je vous montre un peu comme je suis habillée. Très simple, petit haut. Ce haut blanc là, il vient de Stradivarius, je crois. Petit jean jean, bien long comme j'aime. Mes petites Air Force. J'ai mis une veste, oui, il fait froid, mais je serai dans la voiture et normalement, si c'est les bons, et de remettre le chauffage. J'ai mon petit sac Diesel. Là, je mets ton parfum. Petite brume. Victoria's Secret, la Berry Spill. Un chef-d'œuvre. Franchement, un chef-d'œuvre, ça sent trop bon. J'en ai beaucoup sur mes cheveux. Aujourd'hui, je vais mettre un. Aujourd'hui, je crois que je vais mettre. Enfin. Je crois que je vais mettre le Yara. Ouais. Je vais mettre le Yara aujourd'hui. Valeur sûre. Les Yara, ils sont tellement bons. J'aime aussi sur les cheveux. Ça, c'est important. Faut que je fasse une vidéo sur mes parfums. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je vais venir mettre ma crème. La Petite Buzz. Sur mes mains, sur mon cou. Voilà. Pour bien sentir bon. Tu vois quoi? On y est, hein? Là, je sens que Ketia finit de se préparer parce qu'elles sont toujours en retard. Et puis, surtout Ketia. Et après, on y go. Bon. Oula. Après. Les abonnés, on s'est pas fait aujourd'hui. J'ai déjà arrêté d'appeler les gens les abonnés. Ah, coucou, mais quoi? Je sais ils pas. Ils ont répondu dans la vidéo. Il y en a une qui a dit les merveilles. Ils ont dit quoi? Les merveilles. On les appelle les merveilles. C'est très moche. C'est là, là. Et il fait tellement. Je crois que c'est mes crushs là. Tes crushs de quoi? Mes anciens crushs. Ouais, je capte à chaque fois. C'est une adolescente de 16 ans. Là? Il fait tellement. Personne. Je sais pas si c'est intéressant. Oh, les selles. Moi j'ai juste grailler la vidéo. Y'a pas de musique. Je sais pas. Non, il fait trop froid. Non, il fait trop froid. Bah c'est pas la fête, mais c'est tout à l'heure. Bah je sais pas. C'était super bien, franchement envoie-moi à tous tes événements parce que je kiffe en fait. Bref, c'est un peu court, hein. J'ai vu des TikTok. Bah, okay. Ouais, on a laissé la carte dans la voiture s'il vous plaît. C'était même pas être censé dans ce vlog, mais bon. On va rajouter ici les gars. Je vais avoir 23 ans. Dans 4 jours, j'ai 23 ans. C'est dingue. D'année, bizarrement, j'ai envie de rien faire, juste faire un shooting photo. Donc demain, c'est tout shooting photo. Là, on va aller chez mon couturier Yvonne. Je vous répète, mon couturier, le best. Il a fait ma robe. Donc du coup, là, on va aller l'essayer et tout. J'ai pris un petit château et tout. J'ai réservé une nuit dans un château pour faire mon shooting photo. Avec Kevin, ça bouge pas. Donc du coup, vous allez me suivre dans toute cette journée. Dans toute cette journée. Pour moi, hâte de voir et tout. Si ma DIA et tout ce que j'ai pensé et tout, ça va le faire. Ensuite, quand je vais rentrer, il faudra que j'enlève ce tissage. Là, ça fait un mois que je l'ai. Faut que je l'enlève carrément. Regardez, j'ai mes notes et tout. J'ai mis ce bandeau parce que... Bah, Yvonne vient de m'appeler pour me dire que ouais, la robe elle est prête, tu peux venir essayer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ouais, mais en tout cas, voilà, ça va se mélanger, ça va devenir un vlog, un birthday vlog. Je suis folle. Je devais prendre un gâteau. Qui va me faire un gâteau là pour demain? Waouh! Qui va me faire un gâteau? Parce que, je sais pas pourquoi tellement, genre mon anniversaire, je sais que c'est mon anniversaire, mais vas-y quoi, je suis en mode pas sérieuse la mairie. Les gars,
Là, j'ai fait mon couturier, c'est pas. Bah, c'est Oren qui devait maquiller. Je vais pas en parler parce que si je parle, on va me raconter, elle pourra pas me maquiller. Donc, du coup, là, on est la veille. Je me retrouve, je suis à contre-jour, je crois. Je me retrouve à chercher une personne pour me maquiller. Et un gâteau aussi. Bon, le gâteau, c'est totalement de ma faute en vrai. Mais, donc, du coup, là, si j'ai pas de maquillage, je serais obligée de me maquiller toute seule. Mais frère, je fais un shooting photo, autant tout faire à fond en fait. Là, bon, c'est un peu le bordel derrière, vu que bah, il a juste fini de faire ma robe. Mais là, on a levé les fils du corset. Mais la robe est tellement belle. Genre, trop jolie. Je suis rentrée. Ça va comme à un certain moment. Là, il faut que j'enlève mon tissage. Les gars, ça fait un mois que j'ai mon tissage. Franchement, j'aurais pu le garder encore plus longtemps. Mais là, pour le shooting, il faut une pépé fraîche avec des belles boucles et tout. So, on va enlever. Je pense pour voir comment ça a grave poussé. J'ai déjà commencé à enlever là. Mais mes cheveux ont trop poussé. Je suis contente. Je suis contente. Je vais aller demander à Lisa de m'enlever parce que moi-même, je vais pas y arriver. Je vois pas bien en fait. C'est encore moi, mes cheveux. Je les ai défaits là, je les ai démêlés. Je les ai pas assez démêlés, mais j'aime trop mes cheveux là. Petit shampoing que je vais faire. J'ai acheté ça, une nouvelle gamme. Activé le nom, non, Olive Oil, crème shampoing. Faut vraiment que je fasse ma routine de Chanel. Parce que depuis, je vous dis que je dois vous faire. Je ne fais pas. Après, moi, mes cheveux, c'est le ghetto. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas de routine genre fixe ou quoi. Mais il faut que je fasse. Là, on va bien tout laver ça là. Et puis voilà. Hein. Par la grâce de Dieu, j'ai pu tout régler. J'ai eu la personne pour mon gâteau et j'ai eu ma maquilleuse. Franchement, les filles, merci. Vous avez grave géré. Désolée si vous entendez du bruit fort, mais là, je suis en train de dégivrer la voiture parce que, les gars, il neige. Il neige de ouf. Il neige de malade. Le planning, c'est je vais aller chercher le gâteau. Je vais aller chercher le gâteau. Ensuite, je vais aller récupérer Kevin. Qui est à Yoga, je crois. Ouais, je vais aller récupérer Kevin qui est dans le magasin de fleurs parce que du coup pour mon shoot il faut des fleurs et tout. Et après on va aller au château et la maquilleuse nous rejoint. Celle qui va maquiller, c'est celle qui va maquiller pour mes 21 ans. Elle était disponible donc ça c'est cool. Et puis voilà quoi, j'ai hâte que cette journée commence, j'ai hâte d'être fraîche, j'ai hâte de mettre ma robe et tout et tout et tout. Hier j'ai mis les personnes. Nail, franchement, ils sont super longs par contre. Ils sont vraiment super longs, mais ça va faire l'affaire. J'ai mis par contre de la colle forte, j'espère pouvoir les enlever quand je n'aurai plus besoin. Parce que là, franchement, pour coller, ça colle. Mais franchement, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Bon, là, je stocke la voiture sur des givres et puis let's go, mettre de l'essence comme d'hab. Et on y va. Bon, je suis arrivée chez Elsa. Ouais. J'attends qu'elle descende pour me ramener les gâteaux. Je suis KO! Franchement, plus légère avance, plus j'aime pas conduire. Je vais te faire le gâteau de base. Non, de base, j'ai pas pris le gâteau. C'est la maquette qui m'a mis un plan. Ah. Le gâteau, c'est à la dernière. Je vous dis, à la dernière minute, je me rappelle que. Attendez, mais j'ai pas le gâteau. Ouais, oh, merci. Hein. De rien. Bon, les gars, y a pas de soucis.
bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ouais, toi t'as dit avec Meredith. Le mec qui fait, il veut tout faire des vidéos, des liens comme il faut. C'est vrai, avec Meredith. On est chez Your Flowers. Vous venez tous sur des fleurs à Meredith. Eh, hey, mes premières fleurs, les gars. Non, mais c'est une dinguerie. Mes premières fleurs. C'est Kevin qui nous a franchement. Sur ton anniversaire. Ça te fait plaisir? Ouais, ça me fait plaisir. C'est waouh. C'est votre anniversaire Valentin, les gars. Ah oui. N'hésitez pas à venir ici. Oui, franchement. Fille comme mec. Hein. Mm-hmm. Venez acheter des fleurs. C'est la deuxième fois que je vais ici. Franchement, les fleurs, elles sont top. Grave top. Le magasin, franchement, il est super joli aussi. Le magasin, il est vraiment super joli. Et ouais, de toute façon, je mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Et vous venez ici, vous allez être reçu par. Vous appelez comment? Ça me dérange pas? Zineb. Zineb. Oui. Par Zineb. De la part de Meredith ou de Clenotson. Non, ou de Biggest, on va dire Biggest. Biggest, c'est ouais. C'est bon. C'est trop fou. Franchement, c'est fou. On arrive au ski. On dirait vraiment qu'on est au ski, ouais. Tu leur as expliqué le shoot? Non, j'ai pas encore expliqué la date. Enfin, j'ai dit que j'allais faire un shoot pour mon anniversaire. Mais j'ai pas bien expliqué la DA. Ah ouais? Non. Ok, on va expliquer après. Ouais, on va expliquer, on va se poser et tout, on va bien vous expliquer la DA. Kevin, il va essayer de prendre le gâteau. On va essayer de prendre le gâteau, attendez. Eh? Je voulais des valises, là, bah neige! C'est bon? T'inquiète. Franchement, ils ont mal fait le garage, là, c'est loin. Kevin, il marche tout doucement. Je coupe tout là. Au niveau de concentration. Purée, il faut que je fasse mon trou aussi, le château du coup. J'ai réservé un petit. Je vais même pas dormir ici, ça le truc. Hein. Jure. Ben non. Ah ouais? Quelle heure? Tu vas partir après? Bah, je sais pas. Demain, t'as quoi à faire? J'ai rien à faire. Et pourquoi tu dors pas là? Je sais pas. Tu t'ennuies. Putain. J'ai réservé un petit château, c'est le château où mes parents s'étaient mariés, s'il vous plaît. J'ai repensé, je me suis dit, mais attendez. Il y a une bonne DA dans ce château. Puis t'es arrivé? Bah tu te gares, il y a un parking. Bah le devant tu vas voir s'il y a un rond-point en fait. Il y a donc ça rien. Devant tu peux pas te garer. Il y a juste un parc. Tu peux. Ouais, t'avances et tu vas voir il y a un parking. Bon les gars, on est arrivé du coup à l'hôtel. Là, je crois que c'est des nouvelles chambres qu'ils ont ouvertes ici, hein, parce que il fait hyper chaud. Ça me paraît super moderne. Je suis KO, je fais le room tour en rapide. Ça, il est tellement bas. Mais donc, du coup, voilà, ici, tu rentres, il y a quoi? Des toilettes. Ici, c'est café tout. La salle de bain, qui est super. Elle est petite, mais elle est cute. Elle est petite. Voilà. Ma perle. Puis voilà. C'est petit. C'est petit mais c'est beau. C'est grave beau. J'aime pas les sols. Les plafonds. Le plafond est trop près, ouais. Trop près. Mais ça va, c'est cute. C'est cute. On nous avons deux peignoirs. Vous savez ce que je vais faire. On attend la maquilleuse qui est déjà arrivée. Franchement, on arrive en même temps. Et ouais, on attend. Et puis on va commencer quoi. Tu mets tes lumières. Mais quoi? Tu mets tes lumières. Bon, on va sur make-up. Hein? Non, je parle. Ouais, ah ok, ouais. Je suis sur YouTube. Ah, c'est vrai. Ouais. Ok. S'il vous plaît. Mais dinguerie. Moi, de toute façon, j'ai déjà dit, c'est toi qui vas me maquiller lors de mon mariage. Depuis, j'avais dit. Il manque l'homme. Où es-tu, l'homme? Est-ce qu'on parle?
Elle a trop d'aide. Franchement, merci, t'as grave géré. Rien, ma chérie. Vraiment, j'aime trop, trop, trop. Merci, en tout cas, toutes les coordonnées sont en barre d'infos. Je te dis. Vous pouvez tout réserver, que ce soit pour vos mariages, pour vos événements, pour tout. Elle est là. C'est les ceux même qui. Les formations. Même... Ah oui, mais oui, ouais, elle fait des formations. Ouais. Même les formations pour toutes les personnes qui veulent se former. Tout sera en barre d'infos, mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Bon, les gars, make-up terminé. Franchement, elle a d'être trop, trop, trop jolie. Là. Oula, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il va me coiffer. Il va me poser ma pépé et me boucler. On va faire un test. Non, non, tu vois, non, mais il coiffe très bien, mais il vous coiffera pas. Jamais. Il fait qu'il y a des photos pour je coiffe pas, les gars, je coiffe pas. Mais ouais, donc du coup, on va poser la pépé et après, c'est bon, on va enchaîner. Hein. Et ouais. En tout cas, il fait déjà nuit, mais en fait. J'ai mes gâteaux. J'ai soif, mais on peut pas commander du jus ici. I blame it on the model bra with the Hollywood smile. Strip a booty with the rack like wow. I'll never forget ya. You put me on a feeling I never had. Ever since I've been trying to get it back. You pick it up, put it back. On marié en rouge. Anyway, she said, don't let the high go to waste. Can you taste it? Little taste. Novocaine, baby, baby. Novocaine, baby. I want you. Fuck me good, fuck me long, fuck me long. Love me now when I'm gone. Love me now. Love me now. Love me now. Love me now. Novocaine, Novocaine. Valide le look ou pas? Vous en pensez quoi? Mettez notre commentaire. En tout cas, 10 ans. Tu te sens comment? Je me sens fraîche, femme de milliardaire. Ah ouais? On dirait que je fais. Tout là, les opéra Garnier, tout. Bon, j'ai de la faute, elle est peut-être un peu trop ouverte pour l'opéra Garnier. Mais tu vois, it's giving rich girl vibe, tu vois. Vous en pensez quoi, les gars? Donnez une note, sérieux. Soyez exigeant ou pas? Parce qu'on a quand même mis. Soyez réaliste! Soyez réaliste! Ouais, soyez réaliste! Soyez réaliste! Soyez réaliste! Vous en pensez quoi? Franchement, non. La DA, montre un peu ce que. La tes DA, bijoux et tout, montre. Donc, on est parti sur une DA. Après, je voulais pas du rouge. Je voulais du rose. Mais je me suis dit, mais Ré, mes dernières robes, c'est du rose, doré, c'est toujours la même chose. Là, change en fait. Change. Donc, on est parti sur une petite robe rouge, comme ceci, avec un corset intégré pour snatch la waist, tu captes. Ensuite, je sais pas si vous pouvez voir le détail. De la robe en fait. Merci. Petite fente parce que vous connaissez votre go. Alors moi, voilà, TSTV toujours. Hein. Faut toujours un peu sortir les cuisses. Et ouais, ensuite, on est parti sur des bijoux dorés. De base, on voulait partir sur argent, mais on n'avait pas tout. Donc on s'est dit, on part sur doré. Donc petite bague dorée, petit bracelet comme ça doré. Mes talons, ils sont également dorés. Et pour la coupe, petit side part comme ceci. Avec des boucles bien TSTV, bien, tu vois, bien glamour et tout. Non, franchement, j'aime trop. Giving. It's giving, en fait. Et les talons. Et les talons, ouais, on voit pas. On voit pas, mais doré comme ceci, qui remonte là, comme ça, pour mieux habiller la cuisse. Mm-hmm. Tu vois. Et pour conclure. Et pour conclure. Bien évidemment. Bien évidemment. Wow. Non, arrête. Ah putain, je suis. En fait, vous comprenez pas que les roses, ça rajoute trop un truc. Les filles, les roses, on dirait, tu vois, c'est mon sac à main. Je crois que ça rajoute vraiment un truc trop. S'il vous plaît, on parle de quoi? On parle de quoi? On dirait une petite Nigériane. C'est bien. C'est ça ton gosse. Mais ça se passe. Oh my god. Je vous dis, moi je me retire du Nigeria en fait. It's giving Vicky James. It's giving Matopeda en fait. Et en fait, tu dead la DA, tu te rends... En fait, je crois que tu te rends pas compte. Non, mais ça fait parce que oui, la DA c'est Klein. Hein. Ah, c'est biggest. D'accord. C'est biggest.
À chaque fois que je me dis, vas-y, choisis ma tenue, on fait quoi. Et il m'a vraiment guidée et tout. Et franchement, bah merci quoi. Y'a pas de soucis, j'ai l'anniversaire à toi. Y'a pas de soucis. Là, les gars, quand je m'a plus dormir. Rendez-vous pour les photos. J'espère que vous allez kiffer. Regardez mon bonnet. Mais franchement, non, j'espère que tu kiffes et tout. Et franchement, non, ça fait grave bien. Même le doré, les détails et tout. Cette année, j'espère que tu seras très investi. Tu vois, quand tu te coiffes bien, quand t'es bien jolie et tout, ça fait très propre. Plus d'investissement. Ouais. Plein de bonnes choses pour ton anniversaire. Merci. Que Dieu te garde. Continue comme ça. Merci. YouTube, tes vlogs, ils sont top. Merci. Les gens, ils kiffent. Merci. Et Maintenant, je fais une remise de prix. Oh. Tu vois, genre. Non, franchement. Il se giving, il fait taper, en fait. Les gens, ils ont vraiment kiffé parce que ça fait bien. Voilà, les gars. Comme bon. Si c'était ma chaîne YouTube. Il y a même plus de batterie. Ah ouais? Oui. Deep for me, pray love is deep for me. I'ma make you go weak for me. Make you wait a whole week for me. I see you watching, feeling. I know you want it, scheming. I know you need it, drug lord. You want it all, you don't. I know you need love. I need some too. Do you want this? Like it wants you. Know that booty gon' do what it wants to. Can't hit it one time, hook it up. I know you see this red, red, red on me. Now come and get I 20, 40, 80, I can trap. Hit it with the rap, put it on the map. Hit me right back. Hello tout le monde. On est samedi aujourd'hui. Regardez qui vient nous rejoindre. Ada. Pourquoi t'as pas son peu rythme là? Je demande aux œufs brouillés, bah tiens, brouillés, franchement, quoi. Non, c'est ça, les œufs au plat, t'as demandé. Ah, brouillés, c'est qui alors? C'est moi. Moi, je dirais de la purée, par contre. Oui, pardon. On a commandé petit déjeuner. C'est de la purée, on est d'accord, c'est pas possible. Les œufs au plat, petit croissant, banini. Mais ouais. On va manger et tout. En tout cas, hier, sur photo, c'est très bien passé. On a fait des belles photos. Donc, vous avez déjà vu les photos sur Instagram, j'espère que vous avez kiffé. Et là, on va manger et puis après, on va partir. Hein. Tout simplement. Hello tout le monde! Je... Quoi? Armani. Les gars, on se retrouve dimanche. Aujourd'hui, du mois 1 avant mon birthday. Qui n'importe quoi. T'arrêtes, tu me spam. Laisse-moi. Comment ça te spam? Elle me spam. Aïcha, elle a dit 40. Je suis choquée. Bon, aujourd'hui on est dimanche 1 avant mon anniversaire. Je suis en train de... Non, en fait ma je cousine... me dis pour qu'on regarde la télé dans ses rêves. Ma cousine elle fait un brunch, donc du coup on va aller bruncher aujourd'hui. Je vous ai même pas fait. Où on va regarder là-bas? Ah, parce que je comprends que la finale de la Coupe du Monde, elle va être sans moi. Et ça, c'est la finale là? C'est la finale là? Regarde ça, et je comprends pas en fait. Eni? C'est le truc à deux, regarde le foot et vous faites ça. Oh là là! Ouais, c'est une fois dans ta vie. J'ai même pas fait le retour sur mon shooting photo, il s'est super bien passé. Normalement, alors où le vlog sortira, vous avez déjà toutes les photos et tout. J'espère que vous allez kiffer et tout. Franchement, je suis trop contente, Kevin. Si tu vas sur ce vlog, une pépite. Si vous voulez faire vos photos pour votre DA, pour vos shoots d'anniversaire, juste parce que vous aimez prendre des photos pour Instagram, avoir un contenu plus qualitatif, biggest. Vraiment, Kevin, il dead, que ce soit au niveau de la DA. Il est tellement fort en DA, vous vous en rendez même pas compte. C'est lui qui, vraiment, en fait... Sa photo, comme il prend photo, faut que tu rentres dans son univers. Et son univers, vous voyez, c'est très... Voilà, c'est très Kevin, tout simplement. Donc, du coup, je mets tout en barre d'infos. Il a dead. Là, comme j'ai dit, je vais aller chez ma cousine parce qu'elle nous fait un petit brunch. Et on va faire aussi un petit mood board, etc. de l'année 2024, etc. Il y a le Congo aussi qui joue contre le Maroc. Je dis, je mets plus mes organes dans le foot. Aujourd'hui, je maquille pas, juste comme ça, je mets de la bello. Et puis voilà quoi. On se retrouve chez ma cousine avec le petit brunch. Puis elle me dit, viens me chercher. Et ouais, mais les gars, bientôt, dans moins de 24 heures, j'ai. 23 ans. C'est un délire. J'ai coupé aussi. Ah ouais, non. Les ongles, ils étaient trop longs. J'ai coupé. Parce que là, c'est bon. Je pouvais pas avoir des ongles longs. On va pas non plus abuser. Et là, bon, faut juste que je les lime.
que je les lime parce que c'est pas bien limé là, enfin j'ai mal coupé, mais voilà, je vais rester comme ça jusqu'à ce que Jenny Lee me fasse mais donc pour Abidjan. Puis voilà. Ça aussi d'avoir une vue sur ce stade. Non, t'as quoi, les gens? C'est pas forcément évident pour les joueurs qui étaient bien rentrés d'entrée dans ce match. Toi, tu trembles pas, j'arrive pas à filmer. J'arrive pas à filmer. J'arrive pas, moi. J'arrive pas à tenir mon téléphone. Et voici comment se termine ce vlog. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Merci pour tous vos vœux, pour toutes vos bénédictions que vous m'avez envoyées. Franchement, vous m'avez bombardé de messages. Franchement, merci. Il y a des personnes qui me suivent depuis une roulin sauvage. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. C'est une dinguerie de se dire qu'on grandit ensemble, que vous voyez mon évolution, etc. Franchement, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, quoi, que le bon Dieu vous protège. Et puis maintenant, on fait à nous.